Hello les petits chats, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que vous nous demandez ça à moi et à Prodige d'aller fabriquer des pizzas. Et c'est pour aujourd'hui, nous allons transformer en pizzaiolo, en livreur. On va ranger, on va tout faire. Alors on est tombé sur un serveur qui était un peu compliqué où ça devenait une grosse anarchie. Mais là ça y est, on est sérieux, on est bien. On est prêt à faire des pizzas. Alors c'est parti, les fours sont ouverts. Ok, on n'a plus qu'à attendre les commandes, moi je sors les pâtes. Alors ça arrive. Il y a une commande qui arrive là. Je vais aller l'aider. Hein. Ouais, vas-y. Ok, alors ça, c'est la pizza la plus simple. On est sur de la sauce tomate fromage. Là, on met les trois ingrédients. Moi, je commence à connaître les pizzas par cœur. C'est parti, j'ai envoyé une boisson. Allez, ça. Et une boisson, bon, chef. Une boisson. Ok. Bonjour, madame. Ah, une commande très spéciale. Hein. Ouais. Ça cuit. Je vous envoie ça tout de suite. Hop là. Pour l'instant, on commande a une très pizza spéciale, d'avance. Celle-là, hein. On a une petite pizza d'avance, ah, j'espère que ça sera celle-là. Il y a moi qui passe une commande, c'est normal? Ah, je sais pas. Ok, alors, j'ai l'impression que je suis un peu avec des incapables là, hein. Je veux pas dire, mais. Il y a personne qui bosse dans ma c'est section. C'est du nouveau, c'est encore des apprentis, ça. Hein. Viens ici, toi. Viens là. Moi, j'envoie des commandes, hein. Tu me dis s'il y en a trop. Attends, j'ai un problème parce que j'arrive pas à attraper ma pizza là. Commande spéciale ici aussi. Je suis devant, on ouvre les fours là. On a deux commandes spéciales, deux. Ça vient. Hop, je sors la pâte. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Le fromage, hop, ça arrive, chaud devant. Est-ce que je pourrais être avec des gens qui bossent un peu là? Je me sens un peu seule dans les cuisines. Allez, j'arrive. Oh hop, là c'est là parti. Là. Chaud. J'ouvre les fours. Allez, la pizza, c'est livré. On avance. Ok, une petite pizza normale pour la dame. Ok, la pepperoni, on a une au four. Ah, qu'est-ce que vous avez fait de ma pizza, monsieur Prodige? Ah bah, je te laisse la place, tiens. Au four. Hop. Allez. Chaud. Une sur ma tête. Ah, j'ai essayé de la faire tourner sur ma tête, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on serait pas avec quelqu'un qui en a carrément rien à faire d'autre cul? Ah, ça y est. Elle vient de se transformer. Ah, mais ça c'est les nouveaux, ça, tu vois. Ils regardent, mais ils veulent pas mettre la main à la pâte. Tous les mêmes, quoi. Bon, alors on va voir comment ça avance de l'autre côté. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce qu'il y a du monde à la livraison? Il y a personne à l'empaquetage. Ok, j'empaquete. Okay. J'envoie une légendaire, là. Une pizza légendaire, je sais pas quoi, là. Ah, obligé d'empaqueter, hein, y'a personne, hein. Bonjour ma petite dame, qu'est-ce que je peux vous servir? Allez, on ouvre les boîtes. Ah non, désolé, on fait pas les Big Mac ici. Ce sera une pizza alors. Ah, Devo, t'es à la caisse? Quoi? Je te vois en train d'acheter une pizza. Qu'est-ce que tu veux manger? Là, je suis en train d'empaqueter, moi, y'a des commandes spéciales, personne n'empaque, donc... Une pizza à la saucisse, ça m'étonne même pas. Ok, ça avance. Est-ce qu'à la livraison, y'a du monde? Y'a personne à la livraison non plus, okay, mais faut bon, tout bah, faire. C'est faut parti. Tout faire tout seul. Ok, allez, je prends une voiture. Ça livre. Compliqué ce business, hein. Ok, les boîtes, c'est bon. Ok, je vois un livreur quand même qui fait son taf, ça fait plaisir. Bonjour, tutut. Pizza spéciale. Ding dong. Ok, je suis devenu le manager. Ah, monsieur le manager, nous allons avoir des problèmes de stock là. Ah, bah allez en chercher. Attendez, il y a un camion qui est sur le dossier. Je me suis pris un arbre là, j'ai un petit accident, je vais avoir un peu de retard. Attendez. Vous savez que les accidents, c'est à votre compte, hein. Je sais. Mais c'est pas facile, il y a beaucoup d'arbres dans cette ville. Là où je conduisais avant, il n'y avait pas autant d'arbres. Heureusement que vous nous avez acheté les petites oreillettes là, c'est beaucoup plus pratique, hein. Ouais bah. Je vais aller voir si ça bosse un peu parce que ça m'a pas l'air de... Je retourne au hangar là. Je crois que je vais prendre le scooter la prochaine fois. Bah il est motivé en cuisine là parce que c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Allez, mademoiselle, rangez-moi ça là. Ok, il y a plus de pizza là. Ok, il y a un livreur qui s'est perdu dans les couloirs. Je repars faire des pizzas moi. Hop, ça avance plus là. Ah bah oui mais là il y a plus de place. Allez, on... Je suis livreur. Je suis manager et je suis obligé de faire la caisse et de faire le... Je peux m'occuper de la caisse un peu. Bonjour. Alors en bas, t'as trois choix, faut que tu choisisses le bon. I would like to order Mountain Dew Wood Time. Wood Time is it? Mais tiens là, ici là, veut, tu fais eux. Elle va te dire blablabla, tu lui proposes une phrase la bonne. Parce que tu parles bien anglais. Hello, ah bah ouais, tu as dit bienvenue dans ton pire cauchemar. Ah c'est bon bien. Bah je m'en vais. C'est pas un travail pour moi. Mais si elle bosse pas? Eh, chérie, là! Bon, tu veux que je la vire? Ouais, vire-la. Alors, toi, déjà, hop, t'es employé du mois. Voilà, toi, faut voter. Ah, j'ai pas vu le vote, j'ai raté. Ah, c'est bon, ça y est, je repasse cuistot. Non, mais ça, c'est. Voilà, c'est un travail pour moi, hein, parce que je sens que.
Il y en a peu qui maîtrisent la pepperoni comme je la maîtrise, donc... Voilà, je l'ai renvoyé au travail. Les stocks, on va commencer à être just, hein. Ouais, je vois ça, mais il y avait... Bon, j'ai croisé le camion des stocks, mais je sais pas où il est. D'accord, bon, cool. Employé du jour, dévot, c'est bon. Ah bah oui, hein. Et ouais, bah, elle, bien, elle, hein, elle a tout fait aujourd'hui, hein, c'est clair. Regardez, c'est... elle est encore bon. À côté de moi, elle bouge pas. Ah, c'est bien ça. Va me rendre folle, hein. Va me rendre folle, la nana. Voilà, j'ai demandé plus de boîtes. C'est cuit. Ok, ici ça va prendre feu, on sort la bête. Je vais aller te livrer un petit truc, hein. Il manque du fromage là, très bien, très bien. Ça y est, j'ai enfin une employée qui fait quelque chose avec moi, ça fait plaisir, sauf que la pizza était déjà prête. Ah, j'ai sonné à la maison. Bonjour, un gangster quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre les commandes ici? On a plus de commandes. Allez, je suis le manager, je peux le faire aussi. Je te fais confiance, moi je vais aller voir comment ça se passe et personne n'en pacte. J'ai livré une canette quand même, hein. Va falloir revoir les menus, hein. Va falloir revoir l'organisation. Faites ça bien! Ah! Double time. Quoi, double time? Je sais pas. Allez, c'est parti! Allez! Oula, attendez, j'étais pas prête là. Ah, ok, je vais prendre les commandes. C'est parti en cuisine. Je repars en cuisine. Je sors la pâte. J'ai empaqueté là. Mais, attends, elle faut la virer là. Elle a fait n'importe quoi. Mais y'en a qui font n'importe quoi. Je vous l'ai dit, monsieur le manager, là, que c'était plus possible. Et chérie, ne fais rien avec moi! Moi, il faut vraiment que j'ai quelqu'un avec moi qui bosse un minimum, là, c'est pas possible! Je peux pas travailler dans ces conditions. Tu es où, là, actuellement? Dans la cuisine. Toujours okay. La même qui fait rien. Alors toi, je te donne un petit bonus, hein, parce que tu bosses bien. Hein. Oh, merci. Ah ouais, non, parce que là, on s'en sort pas. C'est normal, hein. C'est normal. Allez, il y a des commandes. Là, il est même pas en tenue! Il est même pas en tenue réglementaire, il vient dans ma cuisine. Pshit! Bonjour Prodige, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, parce que c'est moi en face. Vous pouvez pas la virer là. C'est qui? Chérie, elle est pas okay. Virable. Si, je vais faire un vote. Ah mais je peux pas voter pour l'instant, on a déjà fait un vote. Ah là là, bah oui mais bon... Qu'elle se réveille hein. Moi je veux bien la garder mais... Là depuis tout à l'heure elle me regarde tout faire quoi. À un moment... Ouais, tant pis hein. Tant pis. C'est pas vous qui travaillez avec elle hein. Ok, la caisse c'est bon. En cuisine, ça traîne là. Ah bah en cuisine, on a une erreur de pizza là. Je vais t'aider. Ah non, c'est pas la bonne. Non, il y a de la viande en plus. Il faut une sorte. Ah mince. J'ai pas fait gaffe, c'est ma faute. Bon, je vais aller voir au niveau des livraisons comment ça se passe. Est-ce que déjà il y a de l'empaquetage? C'est bon. L'empaquetage, ça marche plutôt bien. Il y a du monde, je suis contente. Ok, je prends des commandes. Livraison. Livraison, ça va. Ça a l'air d'avancer aussi. Parfait. Je vais pouvoir rester cuisinière. C'est une très bonne nouvelle. Et en plus, regardez, employé of the day. Bon, on a des gens aux caisses. C'est cool. Je vais pouvoir t'aider un peu au pizza. Très bien. Bah là du coup t'as pas besoin. Non c'est pas besoin, faut juste que j'attende. Je vais aller voir derrière ce qui se passe. Ok, jette les boîtes par terre, mais qu'est-ce que c'est que ce gâchis là? On avait dit pas les boîtes par terre. Ils sont en train de jouer. Pas les ramasser. C'est des enfants. On est au boulot là, on n'est pas dans un jeu hein. Calmez-vous. S'il vous plaît. On a besoin de pepperoni. Si oh la pepperoni pizza. Maqué. Ouais, on a bientôt plus de sauce tomate. Elle est où Cheryl là? Elle était en train de nettoyer le sol. Bah elle est partie. Je crois qu'elle est en pause. En même temps, avec tout ce qu'elle donne. Oh la grosse pizza là qu'il y a. Ah, y a de la commande hein. Yeah, elle va nous donner des sous celle-là. On est sur de la commande de qualité là. La sauce tomate on a plus de boîte. Oh on a plus de supplier. Oh, ok. Je vais aller chercher des aliments parce que... Bye. Allez on met un petit 7-Up là. Je vais aller chercher des boîtes. Ça cuit les gens, ça cuit. Oh je suis avec quelqu'un qui bosse. Je suis avec un petit qui est en train de faire ses pizzas là, ça fait plaisir. Ah c'est bien. Je vais aller chercher des boîtes parce qu'on a personne derrière pour emboîter. ça avance. Oh ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui travaille avec moi, merci beaucoup pour ce beau okay. Cadeau. Ok, j'en ai un qui va travailler avec nous. Oh là là, les pâtes arrivent. J'amène plein de boîtes hein. Parfait. Ok, allez c'est parti, on met la sauce tomate, le fromage. Et là on est sur de la pizza viandeuse. Non. Hop, il faut des Mountain Dew. Voilà, ok, on ramène. Il y a deux camions qui arrivent hein, avec tout ce qu'il faut. Parfait. Il a mis le petit 7-Up. Ok, purée, je suis même pas. Ça... Je fais tous les métiers quoi, c'est dur hein, d'être manager. Hein. La pizza est garantie. Oui, on sait qu'on a des pizzas garanties. Oh, ah, oh petit cash chèque. Out bon. J'ai touché 420. 500. Ah bah t'es manager hein. Normalement. Bah... Et mettez pas des insectes sur les pizzas. Ah, on a personne qui livre les pizzas. Ok, j'y vais. Ok. De toute façon, il y a plus de pizza en avance. Là. Je vais en prendre une P3. Les box, il y a ce qu'il faut. Ah, ils ont pas ramené les voitures. Je vais prendre un scooter. Ah.
Ouais, y a pas de scooter. On fait comment? Ils prennent les voitures et s'en vont avec quoi. Ah là là, ces gamins, bah ils vont jouer avec les voitures, bah on est obligé d'aller à pied quoi. Ah oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait pour embaucher des gens comme ça? L'autre il a perdu son camion là-bas, parti faire une pause. Bah il ouais. a ramené des pizzas chez lui. Ah, attends, je vais aller le gronder moi. Ah, il allait piquer des pizzas, c'est sûr. Je ramène la pizza là et je vais aller le gronder. Bah moi je suis obligée de courir pour aller livrer ma pizza à pied. Voilà, pendant que tout le monde est en train de jouer avec les voitures. Insupportable hein. Est-ce qu'il serait pas temps de s'acheter une petite maison là, avec l'argent qu'on a? Vas-y, pendant que je vais le gronder. Hop. Stop, qu'est-ce que tu fais mon grand? Stop. Oh, c'est incroyable, hein. Il écoute même pas. Hein. Voilà, normalement j'ai une maison, mais je sais pas où elle est. Ah si. Ouais, il faut mettre 1200 au total. Ouais, bah j'ai fait. Moi aussi. Hop, j'ai une small house. Ah bah moi j'ai une... je sais pas, elle est où? Mais comment je la vois après? Comment je la trouve? Bah moi, hop, automatiquement elle s'est mise... T'as eu la petite animation? Ouais, j'ai eu l'animation, mais après je me suis retrouvée dans la rue et je sais pas où elle est. T'es la première maison quand tu sors de la pizzeria et que t'avances tout droit. Ok, alors attends, je vais aller la chercher parce que là, j'ai perdu ma maison là. Je vais ramener les voitures, au moins que j'ai trouvé un chemin. Oh, il y a plus personne qui fait les boîtes. Ouais, ça coûte cher, hein. Ok. Ah oui, ok, je suis pas prête encore. Elle est où ma petite maison? C'est la maison qui est collée à la pizzeria? Juste non, dès que tu sors de la pizzeria, t'avances, c'est la première à gauche. Ok, là ils sont en train de faire du cachis. Bonjour petite maison. Ok, voilà, je suis à la maison. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit lit? C'est un peu cher tout ça. Hein. On va se mettre un peu de lumière parce qu'on voit rien. Ok, il y en a un qui se fait voler son camion de fourniture là. Bon, écoute, j'ai mis trois trucs dans ma maison. Je repars bosser parce que là, ça va pas se faire tout seul. Hein. Je vais aller voir ce qui se passe moi. On break. Ah oui, bah voilà. On est 4 en break. Tu mets en break, c'est... Ah, ils sont 4 en pause. Ouais, ouais, j'en ai en pause. Bah, je vais aller en pause dans ma maison, mais là, ça y est, je retourne au boulot, là. Ok, donc là, je vais ramener des fournitures, parce que... Là, faut qu'ils ramènent les voitures, là, parce qu'ils peuvent pas piquer les voitures de les maisons. Ah, bah là, j'ai viré le gars qui a volé les camions. Surtout que voilà, c'est sympa. Enfin, pour ceux qui aiment conduire les voitures, c'est pas trop compliqué de livrer, hein. C'est clair. C'est vrai que c'est frais. Enfin, c'est pas évident de conduire une voiture, hein. Pas se mentir, s'il y en a qui se débrouillent mieux que moi, moi je me prends tous les poteaux quoi. Je vais aller piquer la voiture. Moi, je pose du camion, je dois faire des marches arrière et tout. Voilà, bonne journée. Ok, les livraisons c'est bon, vous assurez. Ah, personne aux boîtes, je m'en occupe. Je sais même plus par où on rentre de la pizzeria. Ah non, je crois que je suis au gros truc de livraison. Je crois que je suis pas au niveau de la pizza là. Y'en a une, elle préfère marcher sur la table. Je ramène une voiture, non, ça va le faire. Je suis là. Ok, à la caisse, on a quelqu'un qui assure. Ok, ici y'a personne, ici y'a personne. Ah là là, bon, dans cette cuisine, qu'est-ce qui se passe là? Ok, ça pas du tout. Allez, au boulot. En tant que manager, si je vois quelqu'un qui traîne dans un coin en tant que caissier ou quoi, bah, je peux le forcer à le téléporter là-bas. Pour lui dire, hey boss, allez, on fait rentrer les pizzas, ça avance, on est pas mal là. Voilà, on prend son petit fromage, on prend sa viande. Allez, ça cuit. Go. Tu vois, je fais pas de favoritisme, t'es l'employé du jour tous les jours. Comme ça, j'ai ta photo dans mon bureau. C'est vrai? T'as visité mon bureau? Non. Ouais. Viens voir. Attends, j'arrive. Tu vas vers les boîtes. Il est où ton bureau? Au travail, toi. Hop. Viens voir ici. Venez dans mon bureau. On va négocier l'augmentation. Moi, je vois pas de photo. Ah, moi, je vois toi, Devo Voria. Oui, je vois Devovoria Employee of the Day, mais y a un fichier vide, quoi. Ah. Ouais, ça doit être un bug. Oh non, y'a ma photo. Alors, attendez, je ferme les volets. Hop, voilà. Ça te va tellement bien. Petite augmentation, hein, à la fin du mois. Oui, s'il vous plaît, monsieur Propro. Donc, faut bosser, faut ménager votre équipe, hein, parce que ouais. Bon, c'était pas top, hein. Bah, je sais, on a eu des soucis. Je les vois, ils viennent, ils sont bons. Puis t'as Robert, hein, les retards, tu lui... Bien, hein, tu sors là... Je sais. Non, bon, allez, mais lui, c'est son problème. Hein. Allez, j'y retourne, monsieur. Ouais, pas de discussion. On en est où? Livraison. Y'a personne. Y'a plus de boîte. Ok, personne fait de pizza, en fait. Bah, le truc, c'est qu'en fait, on a même plus de commande, là. Ok, je m'en occupe. Oh, y'a le feu. Mais voilà, je pars 5 minutes et y'a le feu, quoi. Allez, c'est parti, j'envoie des commandes. Vous êtes pas gérables, les gens. Bon, les pizzas. Y'a un mec qui prend feu. Mais je sais, mais je l'ai déjà éteint tout à l'heure et il a recommencé. C'est insupportable. Moi, je peux pas m'en occuper toutes les deux. Attends. Déjà, lui, il a rien à faire là, premièrement.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se met dans le four? Mais j'en sais rien, moi. Il a juste envie de brûler. Faut le virer, lui. Eh ben, vote pour Van. Yes. Au revoir. Goodbye, my friend. Voilà, il est parti. Ouais, ça, c'est fait. Ça dégage. Et oui, on peut virer les employés, ouais. Faudrait que je pense faut que j'embauche de la sécurité. Hein. Bah, il va pas y avoir le choix. Hein. C'est pas normal ces gens qui se jettent dans les fours comme ça. Hein. Moi, j'ai pas été formé pour gérer ce genre de problème. Hein. Le pire, c'est qu'on l'éteint, il réouvre le four, mais il oui. se met dedans. Là, on est sur du problème psychologique là. Oula, cette luminosité, ça fait mal, hein, oui. Ah! Ah! C'est l'heure de c'est l'argent! Bon. Le manager a eu un problème. Qu'est-ce qu'il a? Bah. Il est dans le four. Oh purée. Bravo. Bravo. Ah bon, ça danse dans mon bureau. Bon, et bah écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour là. Et voilà, les petits chats, c'est terminé pour aujourd'hui. On s'est bien amusé avec Prodige. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment compliqué. Puisque, en étant manager, il doit vraiment tout gérer. Et moi, il a fallu que je jongle dans les 3-4 travaux. Donc, c'est vrai que c'est bien de faire ça. Si vous êtes au moins 4 ou 5, vous vous mettez sur vocal ensemble et vous y jouez ensemble. Parce que dans ces cas-là, ça roule très rapidement et vous avez beaucoup plus d'argent. En tout cas, j'espère que ce petit jeu vous a plu. C'était vraiment fun d'y jouer avec Prodige. On s'est bien amusé. Ouais. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Bisous. Ciao.